C'est un copain d'école qui est actuellement Florent Jalbert, qui est actuellement aussi le président de Normande Avenir. C'est lui qui m'a invité à participer à cette manifestation Ferme en Fête. Il y a ça faire 3 ans. Donc à participer au concours jeune présentateur. Et donc l'année dernière je l'ai gagné. Donc, étant donné que j'ai gagné pas mal de concours, tout ça, ils ont fait appel à moi justement pour juger le concours jeune présentateur. Avant j'avais la passion de la race montbéliarde. Et puis vu que j'ai connu mon patron ici, j'ai appris à connaître la Normande. Et on va dire que ça s'est tourné un peu plus vers la Normande, car ici, vu qu'on est plus dans le berceau de la race, il y a plus de choses à faire. C'est une race qui me plaît au niveau tempérament, tout ça. C'est une race mixte, c'est une vache qui est jolie à regarder, qui va bien, qui maintenant va bien dans le 21e siècle. Elle produit du lait, elle produit de la viande, elle a tout ce qu'il faut dans les taux. Et j'espère que les gens qui suivent, les gens qui sont passionnés comme moi, suivent bien aussi ce chemin-là. J'ai passé un bac pro, donc j'ai fait en sorte pour pouvoir m'installer un jour sur une exploitation avec des vaches laitières, tant qu'à faire des Normandes. Et puis après, pour la suite, pouvoir amener mes vaches à des concours aussi. Je suis encore jeune, donc je me laisse encore le temps de réfléchir. Mais bon, si je pouvais m'installer dans la région, ça serait bien.